Et salut à tous, c'est Nezax. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à commenter, liker, partager et à vous abonner, ça me ferait très plaisir. Et aujourd'hui, on se retrouve pour faire le tuto d'une petite maison médiévale. Donc du coup, voilà. Et pour information, la chaîne Nezax 2.0 sera seulement pour les vidéos. Et Nezax sera pour les lives. Donc, petite information. Donc, n'hésitez pas à vous abonner. Ça me ferait très plaisir pour de nouvelles vidéos. Et je vous laisse avec ce tuto. Voilà. Donc, les gars, vous allez mettre là où vous voulez faire la maison. Vous mettez un bloc comme ça. Vous comptez 1, 2, un bloc. 1, 2, un bloc. Et vous faites pareil ici. 1, 2, 1, 2. Et vous refermez. Non, même pas. Attendez. Là, donc là. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Donc là, normalement, il doit avoir 5 blocs. 5 blocs espacés d'un bloc vide. Et là, 3 blocs espacés d'un bloc vide. Donc maintenant, vous allez l'augmenter de deux blocs. De 2 blocs. Normalement, ça doit faire 3 de haut. Donc 1, 2, 1, 2, 3. 2, 3, 2, 3. 2, 3, 2, 3, 2, 3. Et ça pour tous les piliers. Après que vous avez fait ça, les gars, vous allez prendre les escaliers en pierre taillée et vous allez mettre entre tous les piliers. Et je dis bien tous les piliers. Comme ça fait un truc stylé, quoi. Donc voilà, là vous mettez aussi des entre les piliers, mais en haut, mais cette fois des escaliers à l'envers. Donc hop, pour ça, pour tous les piliers. Hop là. Et maintenant, les gars, vous allez mettre un bloc devant chaque pilier, un bloc de paire taillé devant tous les piliers. Sans exception. Après, vous allez prendre les dalles en pierre taillée. Et quand c'est un coin comme ça, vous mettez une dalle ici. Et pour les blocs là, qui sont en face des piliers, vous mettez un bloc ici et ici. Je veux dire, vous mettez une dalle ici sur chaque bloc. Et chaque côté. Hop. Comme ça. Et désolé si ma manette elle bug, donc du coup. Bon, on continue la vidéo. Et là, vous allez prendre l'escalier en pierre taillée et vous allez mettre sur le pilier au-dessus du bloc et des dalles. Vous mettez un escalier à l'envers. Hop. Voilà. Et merde. Putain, cette caméra, elle bug à mort. Bon. Après, vous allez prendre les troncs de sapin. Et vous allez à chaque escalier à l'envers qui est sur les piliers, en haut des piliers, vous allez mettre deux comme ça et deux piliers comme ça et un pilier comme ça. Deux piliers, un pilier. Deux piliers, un pilier. Voilà, comme ceci. N'oubliez pas, un pilier au milieu, deux piliers, deux piliers, un pilier, deux piliers, un pilier et deux piliers. Et ça pour tous les blocs. Hop, comme ceci.
Après, les gars, vous allez tous les rejoindre. Vous allez tous les rejoindre entre eux. Hop là. Et ici, dans les coins, vous mettez un bloc en dessous ici, au premier bloc. Après, vous mettez un bloc comme ça à l'endroit et vous cassez le bloc d'au-dessus. Et ici, vous faisiez. Et ici, vous faites comme les escaliers, mais à part sur le bas. Et ça, sur tous les piliers en bas. Après, hop, dans les coins, c'est comme ça. Et là, c'est comme ça sur le pilier. Voilà. Et vous allez. Ah non, attends. Et vous allez monter un pilier, le pilier là, de 6. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et à l'avant-dernier bloc, vous mettez un bloc de 3 là. Un bloc de 3. Et donc, ça veut dire que. Ça veut dire qu'il y aura un pilier là. Et à chaque fois, vous comptez 3. Donc là, 1, 5. Normalement, il y a un pilier au début, au milieu et à la fin. Et vous les rejoignez. Et ici, hop, vous mettez un pilier. Un pilier, je veux dire. Après, vous comptez 1, 2, 3. Un pilier. Et on les rejoint. Après, un pilier à gauche. Un pilier au milieu. Et un pilier à la fin. Et par ici. Voilà. Maintenant, on les rejoint. Hop, voilà. Et maintenant, vous allez faire comme en bas, mais à part que sur les piliers et pas ici. Donc, hop, ici comme ça, bien au niveau des piliers horizontaux. Et là, sur le pilier là, sur l'avant-dernier, un bloc comme ça pour suivre le truc là. Donc, sur tous les côtés, tous les piliers. Hop là. Du coup, maintenant les gars, vous allez prendre les planches de sapin et vous allez faire ça sur tous les trous entre les blocs de sapin à l'intérieur et tout remplir. Et tout remplir au-dessus. En passant, mettre des escaliers pour masquer les planches de sapin en dessous. Mais arrête de bugger ça, le manette. Bon, après, vous remplissez au-dessus. Donc voilà. Maintenant, vous allez remplir tous les carrés, ben, tous les carrés entre les piliers, un bloc à l'intérieur de blocs de laine blanche, de laine blanche. Hop, et ça pour toutes les fenêtres. Bien sûr, il y a un mur, ce sera pas une fenêtre, mais une entrée. Donc voilà. Hop là. Du coup maintenant on va faire l'entrée. Donc du coup là vous comptez 1, 2, 3, 4. Après hop vous allez en bas. Vous mettez un pilier comme ça. Et si vous voulez vous pouvez aussi mettre un pilier ici. Au deuxième bloc de large. Du coup, maintenant là vous comptez 3 et vous mettez un pilier.
comme ceci, et là un pilier au milieu, comme ceci. Là devant le pilier, et par ici, et comme ça, et là aussi, hop, un bloc. Là il y a le bloc de qu'on a mis tout à l'heure, et là il y a un pilier plus les trucs comme ça. Et hop, comme ça. Du coup, maintenant, vous allez faire ça. Hop, vous allez faire une sorte d'escalier en bois. Mais à part, vous allez casser tous les blocs que vous avez mis avant, sauf le dernier. Il faut que ça arrive en bas. Faut que ça arrive tout en bas avant de casser les derniers. Comme là, hop. Celui-là, je le casse pas. Lui, je le casse. Je casse pas. Je casse. Je casse pas. Je casse. Et je casse. Et du coup, là, vous mettez des dalles en dessous des chaque en dessous de chaque pilier. Et vous allez mettre des escaliers à l'envers. Et au-dessus des escaliers à l'envers, vous mettez des escaliers à l'endroit. Et ici, vous faites pareil qu'en dessous et vous mettez des dalles. Pas ici. Et du coup, là, vous cassez ce bloc-là. Vous pouvez même casser ce bloc-là aussi. Et mettre un sol. Voilà, maintenant vous allez prendre les clôtures en sapin et vous allez refermer comme ceci. Voilà. Et pour le toit, vous faisiez ça comme ça, un bloc. Au bloc comme ça, vous mettez un bloc au milieu, après deux blocs, et pareil pour là, après un bloc, et pareil pour aussi, hop, un bloc comme ça, un bloc comme ça, on casse le bloc d'en dessous, hop, on met deux blocs, après un bloc, deux blocs et un bloc. Voilà. Et maintenant, les gars, vous allez prendre les escaliers en pierre taillée et vous allez faire le tour, le tour. Le tour de l'armature en bois en passant bien sur ça. Sur les trucs, sur ça, les sortes de déco. Comme ceci. Après, arriver à la ferme, arriver aux fermes, vous mettez un escalier à l'envers, escalier pour faire le contour, vous mettez un escalier à l'envers, un escalier à l'endroit, un escalier à l'envers, un bloc, escalier à l'endroit, escalier à l'envers, escalier à l'endroit, escalier à l'envers vers le bloc, après une dalle, après escalier à l'endroit. Escalier à l'envers, escalier à l'endroit, bloc, escalier à l'endroit, à l'envers et à l'endroit. Et il faut répéter ça à la deuxième ferme. Voilà. Hop, dalle, escalier. Escalier, escalier, bloc, escalier, escalier et escalier. Et du coup, maintenant, vous allez refermer le sol du grenier. Hop.
Voilà. Voilà, c'est refermé. Du coup, maintenant, vous allez prendre l'escalier en sapin et vous poursuivez le schéma de la ferme à l'escalier là. Après, vous refermez les dalles, vous prolongez les dalles en dalles de pierre jusqu'à l'autre dalle, et là vous comblez le trou en bois, en escalier en bois. Et là ce sera un escalier, donc escalier en bois. Là c'est un bloc, donc bloc de bois. Là c'est un escalier, donc escalier en bois. Et là escalier en bois. Et on répète ça pour l'autre côté. Hop. Comme ça c'est plus facile à mettre. Voilà. Bon, du coup les gars, maintenant vous allez prendre la laine blanche, et toujours à l'intérieur, vous remplissez. Toujours à l'intérieur. Voilà. Du coup, on va commencer à faire la déco extérieure. Donc maintenant, quand vous tenez à la fermette, à la ferme, vous mettez un escalier comme ça, un escalier comme ça, escalier comme ça, dalle, dalle et dalle comme ça, et dalle comme ça. Et pareil pour l'autre côté. Escalier, escalier, dalle, dalle et dalle. Et ici, vous mettez un escalier à l'endroit, à l'endroit, à l'envers, à l'envers. Dalle, dalle, clôture de sapin, clôture de sapin. Et j'ai oublié les verres. Et ici, les gars, vous mettez des blocs de verre. Pareil ici, les gars. Hop, hop, escalier, escalier. Hop, voilà. Et ici, vous faites ça, 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 comme ceci. Et hop, ici, vous creusez un trou de deux et vous mettez la porte. Escalier à l'endroit, escalier à l'endroit, à l'envers, à l'envers. Hop, si je me trompe pas, clôture, clôture, dalle et vitre, escalier, 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 dalle, dalle, clôture, clôture, clôture et vitre. Suivez bien, les gars. Donc escalier, 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 escalier. Faites bien comme moi. Mais putain de saleté de caméra. Putain, ça bouge tout seul, ça m'énerve. Bon. Voici les gars, la maison. Moi, je vais pas faire le sous-sol, donc voilà. Donc en dessous, vous remplissez. Vous remplissez les trous avec des vitres. Donc voilà. Et ce sera tout. Du coup, n'hésite. C'est la fin de ce tuto, les gars. Donc n'hésitez pas à vous abonner, les gars. Ça me ferait plaisir. Du coup, n'hésitez pas à liker, commenter, à laisser un commentaire. Merci à tous et ciao.